Marc Marcellin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UPA 13 et de la CAPEB 13, deux syndicats d'artisans. Avec vous, nous allons parler de la hausse de la TVA dans le bâtiment et la rénovation. Elle passera de 5,5% à 7%. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous ? Alors, pour nous, que va changer cette hausse de TVA ? C'est tout à fait, pour nous, injuste, d'une part, parce que cette mesure démontre totalement le désintérêt du gouvernement face aux entreprises artisanales, qui, quand même, je vous le rappelle, durant toute la période de crise que nous avons et que nous vivons actuellement, toute cette période de crise, nos emplois dans nos entreprises artisanales ont été maintenus, on n'a pas débauché, surtout, et c'est vrai que ça nous a permis aussi de former nos personnels, il faut le savoir, et ce qu'on craint aujourd'hui avec cette hausse de TVA, malgré que certains disent qu'elle ne soit pas trop immense, mais surtout ce que nous avons peur, c'est que cette baisse de TVA et cette augmentation qu'elle va nous entraîner à nous, parce que c'est une augmentation aussi, elle va ouvrir aussi la porte aux auto-entrepreneurs qui, on va rentrer avant l'application de cette hausse dans un cadre qui va être pour nous, artisans du bâtiment, ce qu'on estime à 400 millions d'euros de pertes pour nous. Alors vous dites en gros 1,5% d'augmentation de la TVA, ça représente 400 millions d'euros de pertes, c'est ça. Mais concrètement, comment ça se passe ? C'est-à-dire vous payez plus, vous perdez des parts de marché, c'est concrètement, ça va, vous le comprenez très bien, c'est que avant, quand on a demandé le taux réduit de TVA, ça nous a permis à nous, artisans du bâtiment, à créer de l'emploi et à créer des travaux. Aujourd'hui, c'est dans ce même esprit que ce cadeau fiscal qui va être fait aux auto-entrepreneurs, parce que... Pourquoi c'est un cadeau fiscal aux auto-entrepreneurs ? Parce qu'ils ne payent pas de TVA. Eux ne payent pas de TVA. Et ce qui nous permet, malheureusement, c'est que d'ouvrir ce marché qui va se dégager, donc va leur permettre à eux de s'enquiller dedans. Ça va leur permettre peut-être aussi d'avoir ce travail dissimulé va revenir en puissance et en force, parce que... Parler du travail au noir, là. Hein. Avec, oui. Et du coup, concrètement, vous êtes électricien, par exemple. Un électricien peut se déclarer auto-entrepreneur et ne pas payer de TVA alors que vous serez taxé à 7%. Exactement, oui. Et c'est ça que vous dénoncez c'est aujourd'hui. C'est ce qu'on dénonce. Et c'est pour ça que nous allons demander, nous, l'arrêt total et la suppression de l'auto-entrepreneur. Alors, est-ce que ça va avoir des conséquences sur l'emploi, selon vous ? Absolument, ça ne peut avoir que des conséquences parce qu'aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, pendant la crise, les artisans ont formé leur personnel, mais aujourd'hui, le marché ne sachant plus où il va aller, c'est sûr qu'on va se trouver face à des conjonctures où il va falloir licencier. Mais par exemple, ici, dans le bâtiment à Marseille, il y a beaucoup de travail, beaucoup de chantiers qui sont lancés. Vous pensez que ça aura un impact ? 1,5% d'augmentation, c'est pas énorme quand même. Tous les gros chantiers qui sont mis actuellement sur le marché ne profitent pas tellement à nos artisans. D'une part, l'offre qu'il y avait, c'est surtout dans la rénovation où elle se trouve appliquée. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, pour nous, artisans du bâtiment, c'est pas tellement le neuf qui nous importe, c'est surtout le service à la rénovation et à l'entretien. Pour vous, il aurait fallu demander plus d'efforts aux grandes entreprises plutôt qu'à vous, artisans ? Bon, non, je sais pas de demander plus d'efforts aux gros qu'aux petits. C'est surtout que nous ayons... Encore une fois, parce que le tribut qui va être payé par le secteur du bâtiment, avec ce plan de rigueur, il est totalement disproportionné et injuste pour tout le monde, que ce soit les gros ou les petits, ça non, c'est pas ça. Mais ce qu'il faudrait surtout, c'est que sur l'équivalence du coût du travail, nous ayons les charges sociales qui soient diminuées pour tout le monde et ça profiterait à tout le monde. Vous seriez prêt à accepter cette augmentation de la TVA en échange d'une baisse des charges Absolument, sociales oui. Concrètement, la France est l'un des pays qui paye le moins de TVA en Europe. Est-ce que ces augmentations, elles n'étaient pas simplement inévitables ? 5,5%, ça se voit dans pas beaucoup d'autres pays. Vous savez, on a eu le congrès de l'UPA il y a 15 jours. François Fillon, Premier ministre, est venu nous à notre rencontre et nous a tenu les propos que la TVA 5,5 ne serait pas touchée. 10 jours après, il la touche. Alors bon, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Et surtout, ce qu'il y a surtout, c'est qu'aujourd'hui... Nous avons prouvé, nous, dans l'artisanat, que la TVA 5,5 était créatrice d'emplois, était génératrice de travail. Donc, je ne vois pas pourquoi le gouvernement revienne dessus. Marc Marcellin, merci. On a compris donc que cette augmentation de la TVA peut vous poser problème, à vous, artisans, et probablement aux restaurateurs aussi.